Dans l'épisode du mercredi 24 novembre 2021 de Plus belle la vie, Nisma va se rendre au point de rendez-vous pour retrouver Amina et l'empêcher de partir en Syrie. Abdel, Marouan Bereni, voudrait prévenir Jean-Paul, Stéphane et non, mais elle l'en dissuade. De son côté, Amina semble décidée à s'en aller. Jean-Paul et le père d'Abdel cherchent désespérément ce dernier sentant le danger. Ils supplient Barbara, Léa François, de leur donner des informations si elle en a. Nisma va au point de rencontre. L'homme qui vient la chercher est très agressif. Elle retrouve peu après Amina, Nisma lui signale discrètement que sa mère la réclame. Elle lui indique aussi que si elle part, elle s'en va avec elle. Leur bus démarre. Luna, Andessi, offre une chambre à Kalia le temps qu'elle ait une situation plus stable. Maintenant qu'elle a son titre de séjour, Laetitia, Caroline Rioux et Delphine sont déterminées à se battre pour qu'elle obtienne enfin la nationalité française. Elle retrouve Franck, Jean-Charles Chagache-Bagnan et Valentin, David Ban. Ils craignent que Lugan et Barreau ne fassent en sorte que Kalia parte au final. Une conférence de presse est organisée et il est enfin annoncé que Kalia va être naturalisée grâce à son acte de bravoure. Sacha, Avi Marciano, met en avant le fait que la mairie a pourtant toujours voulu qu'elle s'en aille, mais cette information est totalement niée. Kalia fête la bonne nouvelle avec Franck et Laetitia. Elle reçoit enfin les papiers à remplir. Romain, Simon et Relâché se réveillent en trouvant la lettre d'Adriana. Il se souvient des doux moments qu'ils ont passés ensemble. Il est très attristé par son départ. Myrta, Sylvie Flepp, lui apporte le petit déjeuner et vient au renseignement, mais le médecin la repousse. Il veut rester tranquille. Au cabinet, Nathan, Thibaut Vanek, vient pour le convaincre de tout faire afin de récupérer Adriana, mais Romain l'envoie balader. Il voit ensuite Fanny, Prudence Leroy, qui est désolée pour lui. Elle lui offre son soutien et va passer le reste de la journée en sa compagnie. Hélas, son petit ami débarque et l'amène faire une activité qu'elle ne peut pas refuser. En rentrant à l'hôtel, il entre dans la chambre d'Adriana par réflexe, mais Myrta et Laetitia sont déjà en train d'y faire le ménage. Penaud, il se rend compte de son erreur et retourne dans la sienne. À suivre dans Plus belle la vie. L'audi budget.